Et salut à tous et à toutes, c'est Rayus33 pour mon mock 16 qui est sur le thème Google tue YouTube. Voilà, j'avais fait une update là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ai remis le petit bandeau en bas à gauche de votre écran. Donc en fait, je vais vous expliquer, donc ça se passe pas trop maintenant. Ça se passe en fait dans 2 ou 3 ans, donc dans le futur. Mais bon, dans 2 ou 3 ans. C'est-à-dire si Google continue comme ça, c'est-à-dire à faire vraiment n'importe quoi. Faire comme si ce qu'ils ont fait avec YouTube et tout vraiment. Donc toute la créativité, la liberté qu'il y avait sur Google a disparu, maintenant c'est Google+ qui s'occupe de tout. Et donc du coup tout le monde est pas content. Et donc voilà à peu près ce que ça donne. On a donc le gros bâtiment, vous voyez il y a deux bâtiments en fait. Comme ça vous voyez mieux. Le gros c'est le siège de Google, le petit sur le côté c'est le siège de YouTube. Donc ils peuvent... vous voyez il n'y a pas de porte pour aller directement dans le siège de YouTube, il faut forcément passer par Google. Devant donc vous voyez de chaque côté des petits trucs avec les quatre couleurs comme ça pour rappeler un petit peu. Google, des trucs comme ça, et une émeute donc qui va libérer YouTube. Alors au niveau de ça, vous savez que moi c'est vraiment pas du tout mon truc de faire des détails, pas parce que je sais pas les faire, c'est parce que je vois jamais l'utilité d'en faire en fait. Donc j'en fais, mais bon j'ai essayé de faire un tout petit peu, mais il y a vraiment rien quoi. Donc j'ai fait ces petits trucs comme ça ici. Là-bas il y en a un autre qui est un petit peu différent. Des caméras de surveillance donc ils peuvent bouger aussi, mais bon on s'en fout un petit peu, on les laisse dans cette direction, voilà. Donc là une émeute comme ça qui va ça fait pas partie du mock, hein, la plaque là. On pourrait croire, mais non non ça s'arrête là le mock, donc l'émeute continue en fait là-bas. Et donc qui vont défoncer la porte pour rentrer à l'intérieur. Sinon on a vraiment aucune fenêtre. Enfin on a une baie vitrée du côté YouTube. Mais sinon on a vraiment aucune fenêtre à part sur dans le bureau du PDG de Google. Qui est éclairé aussi, donc je crois que vous le voyez pas bien, il y a une petite lumière rouge, ça je vous ai expliqué ça dans l'update. Donc on va commencer par la partie Google. Alors j'enlève le toit. Le toit basique, hein, sérieusement, regardez. Juste, il y a une partie marron parce qu'il me manquait cette fois cette grille pour terminer cette partie, il me manquait une truc, mais sinon c'est vraiment un toit très 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 basique. Donc, aucun détail dessus. Donc à l'intérieur... On a... Ah bah alors, donc déjà en fait on a une porte coulissante qui s'ouvre comme ça. Je vous avais déjà fait un truc comme ça en fait. C'est-à-dire que... Bon enfin là elle ne marche pas parce que je sais pas ce que j'ai fait. Mais... Normalement elle s'avance en fait. Attendez. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une porte comme ça qui est au même niveau que le mur. Et elle se recule et après elle coulisse. Bon. Mais là on va le laisser fermer. Alors ici on a donc... Attendez, je refais un petit peu. Il y a le secrétaire du PDG de Google qui est tombé. Vous verrez qui c'est tout à l'heure. Alors ici, donc on a des méchants un petit peu de Star Wars. Donc qui sont en fait les programmeurs de Google. Donc qui codent un petit peu. Ici on a un squelette et un géonosien zombie. En fait, il vient de se faire électrocuter parce que bon, il refusait un petit peu les conditions de travail et tout. Voilà, je sais pas ce qu'il voulait. Hein, voilà, parce que c'est vraiment très très méchant Google. Hein. Ici on a deux chaînes dans les petites caisses. Voilà. Des grandes chaînes. J'ai aussi des petites chaînes, mais je les ai utilisées, hein, vous verrez tout à l'heure. Donc pour enchaîner un salarié à son poste de travail si jamais il veut pas travailler. Ici donc on a une armée, donc deux droïdes de combat qui peut, avec ici un ordinateur pour les gérer et qui peut servir, vraiment, mais qui va servir là en cas de guerre, hein, avec tous les utilisateurs de Google qui sont mécontents. Ici on a le bureau du PDG donc de Google et donc sans surprise c'est évidemment Palpatine. Voilà. Dark Sidious, l'empereur, vous l'appelez comme vous voulez, il a plein plein de noms. Et donc là, il représente Monsieur Google. Enfin, il s'appelle pas Monsieur Google, mais donc le PDG. Alors, son secrétaire, bah, c'est Dark Vador, évidemment. Ah, je suis content de mettre Dark Vador, sinon ça fait longtemps que je l'avais pas mis dans un mock. Je l'avais pas mis dans un mock depuis que je faisais plus... depuis que j'ai commencé à faire la nouvelle trilogie, enfin l'Empire et que j'ai arrêté sur l'Empire justement, que j'ai fait la République, la CSI et tout. Dark Vador version 2010, non version 2009, c'est-à-dire celle qu'ils ont fait pour les 10 ans de la gamme Lego Star Wars, voilà.
Et donc c'était justement d'un set pour les 10 ans et que ben, j'ai eu, qui était le TIE Fighter de Dark Vador. Vraiment avec... Vraiment je l'aime bien, c'est mes personnages préférés. Pas dans les films, même si bon c'est un peu un personnage préféré de tout le monde Dark Vador, mais je veux dire c'est pas un que je garderai dans mon top 5 ou mon top 10 peut-être, mais en Lego en tout cas c'est sûr. Alors donc vous pouvez voir, on a ici dans le bureau du PDG donc deux snipers, ça peut servir, hein, on sait jamais, et deux sabres. Voilà donc avec ici des ordis devant, donc les petites fenêtres qui sont là, ici là, avec des petits claviers sur le rebord, vous voyez, mais bon ça c'est, ça sert à rien, c'est juste pour des détails. Hein. Je pense un petit peu quand même des fois mettre des détails. Surtout, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les Lego Boys, quand ils présentent des créations, ils disent des détails. Par exemple, pour présenter un truc qui est détaillé, ils disent des détails. Parce que c'est pas des détails qui servent à rien, c'est toujours des détails qui ont une signification, genre un tuyau qui fuit. Qui peut dire un tuyau qui fuit, ou lui dire des détails. Juste, hein, c'est un petit message à faire passer à... Je sais plus qui. Je suis nul en pseudo YouTube, moi, je me rappelle de personne. Bon, enfin... donc ici on a une petite boîte aux lettres pour, ben, pour l'empereur avec un papier dedans. Voilà. Et une cuisse de poulet. En fait j'ai mis la cuisse de poulet vraiment pour insister sur le fait que c'est le seul qui est un peu heureux dans cette situation, qui peut manger et tout. Bon, évidemment les autres aussi peuvent manger, mais je leur ai mis pas de nourriture. Vraiment, donc voilà. Bon, donc maintenant on va passer à la partie YouTube avec ici donc une petite manette pour ouvrir la porte coulissante qui coulisse comme ça ici et on y arrive. Alors, et voilà, les salariés de YouTube ce sont donc Tank and Gan et sans aucune surprise ils sont enchaînés à leur poste de travail, ils sont attachés, ils sont obligés de travailler. Ici la baie vitrée, mais alors voilà, ils sont enchaînés. Ici on a des boîtes aux lettres en fait aussi. Et puis même si l'organisation des bureaux avec un petit peu la baie vitrée et tout, on peut rester dans une ambiance un peu familiale, ben ils sont quand même enchaînés. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez voir mon compte Flickr aussi. Et puis je vais vous dire à très 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 bientôt, qui sera j'espère très 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 bientôt. J'espère la tourner mercredi, sérieusement. Quoique c'est pas trop trop possible en fait. Maintenant que j'y pense, parce qu'il faut que je défasse ce mock, que je fasse le nouveau mock, le bazar et tout. Donc non, il faut. Bon. Bon, en tout cas, juste à plus tout le monde. Et puis je vais terminer sur la même phrase que j'avais terminé l'update de mon coup de gueule contre Google+, il y a 2-3 semaines. Vive YouTube libre.